je suis à nouveau Pierre. Je vais aujourd'hui vous montrer une petite technique pour faire face à l'angoisse et à l'anxiété. Toute personne a un moment comme ça, une crise d'angoisse, ça peut être au travail, ça peut être parce que vous avez un rendez-vous, un examen, peut-être parce que vous allez passer votre permis, ou simplement parce que vous allez vivre quelque chose d'important pour vous. Alors, la technique que je vais vous montrer aujourd'hui, eh bien, reste toujours dans les points amassés, les points qui peuvent vous aider à vous sentir mieux en cas de crise d'angoisse et comment vous pouvez faire, évidemment, si vous n'avez rien. Alors, je vais vous montrer une technique. Ça va supposer pour vous déjà de faire à peu près, c'est à peu près à trois doigts ici, vous voyez. Voilà, ici, à trois doigts, au milieu, vous avez un point qui est, voilà, quand vous appuyez dessus, vous avez une sensation légère d'électrique. Alors, il n'est pas évident à trouver ce point. Mais toujours est-il que quand vous massez ce point-là, vous avez directement une action énergétique qui va vous aider. Alors, il y a un autre point qui me paraît très intéressant, qui est un peu plus sur le côté ici. Là, vous serrez le point. Et là, c'est pareil. Vous avez un point ici. Alors, je ne pourrais pas vous donner tous les noms de ces points parce que je ne les ai pas retenus. Mais cette technique est pas mal aussi. Alors, ça, ce sont, je dirais, deux points intéressants. Vous en avez un autre qui se trouve ici, là, sous le petit doigt, qui est amassé aussi, qui est un point tout à fait intéressant. Et puis, il y en a un autre ici. Vous savez, quand vous êtes un petit peu dans la crise, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ça. Eh bien, naturellement, vous allez voir que ici, sur le côté, vous avez un point, voilà, et qui est assez douloureux d'ailleurs. Eh bien, vous pouvez aussi, voilà, masser en circulaire. Voilà, ça sera peut-être d'ailleurs plus facile parce que vous allez voir que dès que vous mettez votre main, votre pouce, votre doigt pour masser, eh bien, tout de suite, ça fait mal. Alors, il existe un autre point, mais qui se trouve sur le pied. Alors, je vais tenter de vous montrer où il se trouve. En fait, il se trouve là. Voilà. C'est un point qui se trouve exactement ici. Voilà. Et c'est pareil, quand vous appuyez ici, et vous suivez au milieu du pouce et du premier doigt d'orteil, et vous remontez à peu près un centimètre et vous appuyez dessus. Et là, vous avez un point qui est extrêmement douloureux, en tout cas si vous appuyez dessus. Eh bien, tous ces points peuvent vous aider à vous relaxer. Et voilà, si un jour vous n'avez rien à faire et que vous êtes dans une situation d'angoisse que vous devez absolument gérer, voilà quelques idées que vous pouvez mettre en mémoire. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine technique de massage et que j'aurai le plaisir de vous présenter. À très bientôt. Merci.